Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac. Bonjour, bonsoir pasteur. Bonjour apôtre. Et j'ai avec moi le couple Ma Foi. Bonjour, pasteur apôtre. Grâce, pasteur Gentil, bonjour. Bonjour apôtre. On est en train, quand je dis on est, depuis le début de cette série, hein, on est en train de vous parler du chrétien et les affaires. On est allé tout doucement. Hein? On allait tout doucement. On a d'abord démontré dans les premières émissions que le chrétien ne devait pas être pauvre. Et depuis deux émissions déjà, on montre aux chrétiens comment développer la mentalité d'entrepreneuriat. On leur a dit à la première émission de la série de trois émissions qu'il faut travailler, avoir la bonne mentalité quand on travaille pour quelqu'un. Deuxièmement, on leur a dit qu'il fallait avoir une entreprise et développer des aptitudes managériales, et ça, l'église locale peut leur permettre ça, mais surtout, on leur a dit qu'il faut des bonnes idées. Exactement. Il faut des très bonnes idées. Et là, on va leur montrer concrètement comment accéder maintenant à l'indépendance financière après avoir eu beaucoup d'argent. Très intéressant. C'est très intéressant. Tout de suite, dès qu'on parle d'argent, Comment accéder à l'indépendance financière après avoir eu beaucoup d'argent. Voilà, j'ai des pistes. Des pistes parce que certaines personnes, en fait, vont prendre la piste de... Ils ont une, un travail, OK? Et ils réduisent leurs dépenses. Et leurs entrées augmentent. Ça dégage un défi, un excédent, très bien. Pas bénéfice parce que ce n'est pas un business. Ça dégage un excédent. Et ils font une épargne, Et à partir de ce moment, ils peuvent identifier des personnes qui font des affaires. Tout à fait, ils investissent. On continue. Alors, merci déjà, pasteur, pour apôtre, pardon, pour ce thème qui est très intéressant depuis le début. Alors, effectivement, tu as pris l'exemple de celui qui met de l'argent de côté. Effectivement, pour mettre cet argent de côté, ça va demander quand même de changer ses habitudes. C'est vrai. Parce que ça commence là. Oui, ça commence là. Ça commence par le fait déjà de changer ses habitudes de consommation. Et il faut penser actif. Parce que, en fait, l'argent doit travailler. C'est ça. Il faut vraiment réfléchir à là où on investit de l'argent. Il y en a qui vont investir dans l'immobilier, par exemple. Qui vont étudier l'immobilier et puis voir... Parce que c'est vrai que la pierre, et puis, enfin la pierre, la terre, a toujours de la valeur en fait, aujourd'hui et un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même un domaine très très intéressant. Et puis après, investir effectivement, mettre de l'argent de côté pour investir dans le business d'un ami, d'une amie, etc. Et puis là aussi même, on peut mesurer finalement le risque. Parce qu'on n'est pas obligé d'investir tout ce qu'on a. Et puis derrière, il y a la possibilité en fait d'avoir soit le retour sur investissement, soit tout ce qu'on investit tout simplement. C'est ça. Après, merci apôtre effectivement pour l'opportunité. Lorsqu'on lit la parabole des talents, on se rend compte au final que Dieu est un investisseur parce qu'il va dire tu aurais pu prendre l'argent et le mettre en banque pour qu'il puisse investir. Donc Dieu n'est pas contre l'épargne. Faudrait pas qu'on se dise non, la foi c'est je n'ai pas d'épargne. Et on l'a si bien dit pendant cette série que Jésus avait 200 deniers en épargne. Et ça ne l'a pas empêché de dire à Pierre d'aller pêcher le poisson pour retrouver la pièce. Donc Dieu n'est pas contre l'épargne. De multiplier les pains, exactement. Et même, on peut vivre, en fait, dans un style de vie, on a une épargne, mais on ne touche même pas à son épargne. Ce qu'on dépense, c'est le produit, le résultat de notre foi. C'est ça. On peut vivre ce style de vie-là. Donc, il y a une dimension qui est bien plus grande. Et je pense que tout au long de cette émission, on aura l'occasion. Parce que, tu sais, pasteur Isaac, les gens pensent que parce que tu as des millions en banque, ça veut dire que tu vas forcément utiliser ces millions-là. Il ne faut pas qu'on oublie que l'argent que nous faisons fructifier, en fait, c'est l'argent de Dieu. C'est l'argent de Dieu. Notre argent doit prendre la direction que Dieu souhaite que ça prenne. Et Dieu veut que nous puissions vivre par la foi. Dieu ne veut pas que nous soyons millionnaires pour dépendre de ces millions. En fait, quand Dieu nous demande de fructifier l'argent, c'est parce que Dieu a des projets pour cet argent. Dieu a un plan pour cet argent-là, Et Dieu veut que nous continuions à vivre par la foi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est vraiment important. Le chrétien qui va comprendre ça, Dieu va continuer à le bénir parce que ce serait un risque d'avoir des millions et se fier à ces millions-là au lieu de se fier à sa foi. Parce que le système le plus sûr dans le royaume de Dieu, c'est le système de la foi. La foi va produire les millions, ce que vous comprenez, mais si vous vous fiez à vos millions, ça peut être compliqué. Oui, parce que si tu mets des millions
sous ton oreiller et que ta maison brûle. Tu vas pleurer tes millions. Tu vas pleurer les millions. C'est quelle taille d'oreiller, ça? Sous l'oreiller ou bien sous le lit, dans le matelas, tu vois. Tout à fait. Non, mais je pense que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse, qu'on maîtrise le cash flow, hein, comme va le dire un auteur que l'apôtre aime bien, Robert Kiyosaki. Dieu vraiment qu'on maîtrise le cash flow, d'où d'ailleurs ce verset biblique, encore une fois, de Proverbe 21-20, et qui dit que le juste a des biens précieux de l'huile, la même façon qu'on doit maîtriser, maintenir l'onction active. Dieu veut également que quand nous avons les finances, nous puissions les transformer en actifs. Mais d'où peut-être l'immo, comme on a parlé. Je pense qu'il faut que ceux qui nous regardent comprennent que c'est sûr, c'est bien de mettre l'argent en banque. On voit quand même, c'est le dernier endroit où il faut mettre l'argent. Ouais, c'est bien de mettre l'argent en épargne. Voilà, donc après ça, on voit même que, à ce qui paraît, hein, bon, on est dans le système financier, je ne veux pas trop commenter ce qu'on écoute, mais c'est quand même, voilà, c'est un petit circuit qui est quand même limité. Quand on a mis l'argent en épargne, c'est bien de commencer à penser investissement dans l'immo. Parce que l'argent qu'on met quand même en banque, ce qu'on oublie, bon, par nous les chrétiens, c'est que ces banquiers-là, ils ne stockent pas l'argent quelque part. C'est ça. Ils peuvent développer un réseau dans l'immobilier, ainsi de suite, et puis ils développent, ils amplifient ce qu'on dépose. Donc, il faut qu'on comprenne qu'il ne faut pas seulement laisser l'argent en banque. En fait, l'argent ne doit pas rester trop longtemps en banque. Parce que sinon, l'argent ne travaille pas à ce moment-là. Et le problème, c'est que c'est aussi une erreur, parce que c'est comme ça qu'on nous éduque. Tu travailles et tu fais une épargne. Et cette épargne, tu vas l'utiliser dans le passif. C'est-à-dire, tu vas... En cas d'imprévu. Voilà, en cas d'imprévu. Ça, c'est la mentalité. Nous, on vous dit que l'épargne, c'est pour investir. Vous, on vous éduque, on vous dit non, l'épargne, c'est en cas d'imprévu. Alors que non, mais même dans l'épargne, en fait, en réalité, il y a deux choses dans l'épargne. On peut effectivement faire des imprévus, mais c'est intelligent, c'est plus intelligent d'avoir, en fait, de l'argent que tu destines vraiment à l'investissement. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as mis l'argent en banque, ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas de mettre de l'argent de côté. Il faut maintenant réfléchir à où est-ce que je peux investir, dans quoi est-ce que je peux investir. Il faut aussi s'intéresser à ce que les autres font, finalement. Parce que c'est comme ça que tu peux repérer que dans l'église, c'est une grâce. Quand on est dans l'église, voilà, on rencontre des gens qui font des choses. Tu peux repérer dans l'église quelqu'un qui a l'idée, mais qui n'a pas l'argent. C'est ça. Et toi, tu as l'argent. Je pense que c'est pour cela, pour compléter peut-être ce qu'elle dit, c'est pour ça qu'on conseille aux gens d'avoir plusieurs comptes, peut-être d'épargne. Il y en a qui ont même un compte d'épargne pour le divertissement, les détentes. Pourquoi pas? Ça installe une certaine rigueur dans la gestion de ses finances. Et puis, tu as vraiment ce compte d'épargne que tu ne touches pas, qui va te servir, je sais pas. Enfin, tu essaies de nommer un peu, de définir un peu, de donner une certaine identité à chaque compte. Il y a un compte qui va te servir, comme on dit, en cas de... Tu sors ça existe aussi. Vraiment, bien orienter, organiser ses finances, avoir plusieurs comptes dépenses, c'est nettement mieux. Quand vous avez fait ce travail-là, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un travail de base qui consiste à bien gérer l'argent qu'on a. Peu importe ce qu'on vous donne, même si on vous donne 200 euros par mois, vous devez correctement gérer. Si vous gérez correctement, vous allez dégager des excédents. Donc, vous ne devez pas avoir vos dépenses qui sont plus élevées que vos entrées. C'est une grosse erreur. Ça, c'est la première chose à réguler. Tous les chrétiens qui ont du mal à payer la dîme, à faire les offrandes, ça vient de là, parce que leurs dépenses sont plus élevées que leurs entrées. Il suffit juste de réduire le train de vie. C'est important. Il faut réduire le train de vie jusqu'à ce que vous soyez capable de vous offrir cette vie. C'est ça. Parfois, ça demande juste un peu de sacrifice pendant un temps. Moi, je dis à certaines personnes, il y a des choses que je ne fais pas, que je ne m'achète pas. Mais c'est un sacrifice que j'assume parce qu'un jour... Quand je vais commencer à m'acheter, vous serez complexés. Oui. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir à l'avenir. L'avenir, c'est important. C'est ça. Et l'avenir, c'est pas juste... est-ce que je serais capable de payer l'hôpital? Est-ce que je serais... Parce que très souvent, on pense toujours aux cas d'urgence, les cas pires, la catastrophe. Non, l'avenir, c'est aussi bien vivre, en fait. C'est pas juste prévoir l'accident, prévoir le ceci. Non, il faut aussi que tu prévois ta prospérité. Prévois... Un meilleur bonheur. Ben voilà, Tout simplement. Non, mais c'est pour ça que quelqu'un pouvait dire, si tu joues trop aujourd'hui,
ben, tu vas payer demain. Donc, vaut mieux peut-être faire des sacrifices. Tu joues trop aujourd'hui, tu vas payer ça demain. Vaut mieux, comme elle dit, vaut mieux peut-être commencer à serrer la ceinture, faire des sacrifices. Peut-être payer aujourd'hui, enfin, se priver de certaines choses pour mieux vivre demain. Exactement. J'avais bien aimé ce que l'apôtre avait dit une fois, je pense, on était dans le club, la réunion avec les partenaires. Avec les partenaires, parfois, quand je commençais à montrer ma richesse, il y en a qui vont être dérangés parce qu'à un moment, je me suis privé, j'étais discret, ainsi de suite. Non, c'est vraiment ce que Dieu veut qu'on fasse, quoi. C'est quand vous allez commencer à dégager des excédents, à partir de ce moment-là, vous avez du cash pour investir. Oui. Et là, maintenant, vous devez maîtriser la notion de rentabilité. Amen, amen. C'est important. Pourquoi? Parce que quand vous déposez l'argent en banque et vous laissez ça en banque, la rentabilité n'est pas plus élevée que si vous investissez. Vous voyez un peu? Clairement. Parce que beaucoup pensent qu'en laissant en banque, l'argent est en sécurité. Oui, l'argent est peut-être en sécurité, mais pas totalement parce qu'en cas de crise économique, votre argent, vous allez le perdre en cas de crise économique ou en cas même de dévaluation. Ça peut arriver, personne n'est à l'abri de ça, aucun pays n'est à l'abri de ça. Il y a des années de cela, on n'aurait jamais pensé qu'un virus aurait pénalisé toute la planète. Mais oui, même les États-Unis. Les dollar, etc. Enfin, on peut juste observer rien que les consommations, en fait, comment les gens évoluent, comment la société évolue. Avant, les États-Unis, c'était les rois du monde. Très clairement, que ce soit au niveau de leur monnaie, que ce soit au niveau de tout ce qu'ils pouvaient produire. Mais aujourd'hui, et en plus avec le coronavirus, c'est plus les États-Unis qui dominent de toute façon. Donc, en fait, il faut vraiment se dire que la meilleure sécurité, c'est la sécurité du ciel. Amen. C'est de respecter les principes divins. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on prospère, en fait. C'est bien de mettre de l'argent de côté, mais il faut que cet argent travaille. Il faut que cet argent travaille. Il y a un passage, du coup, qui me vient à cœur. En fait, c'est Matthieu 13, à partir du verset 44. Il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Mais pour aller, en fait, vendre tout ce qu'il a, ça veut dire qu'il a bien entretenu ce qu'il a. Ça veut dire qu'il n'a pas dilapidé ce qu'il a. Il a su l'entretenir. Et lorsque le temps est venu, ça avait toujours de la valeur. Parce que des fois, il y a des choses qu'on a, que ça peut être des dents, des talents, des choses qu'on a, qui perdent de la valeur parce qu'on ne les entretient pas correctement. Ou ça peut même être notre connaissance. On n'entretient pas notre connaissance. Et du coup, lorsque arrive le moment d'investir, toutes les notions que tu avais qui pouvaient te permettre d'investir, tu ne les as pas entretenues. Or ici, cet homme a tellement entretenu qu'il est parti vendre pour acheter le terrain. Il y a encore autre chose, c'est qu'il sait identifier le terrain. Il ne s'est pas limité au trésor, il a su identifier le terrain. Il s'est dit, s'il y a un trésor là, ça veut dire qu'il y a un terrain fructueux. C'est ça. Donc, dans l'investissement, il y a aussi le coup d'œil et cette capacité à savoir identifier la terre. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est en train de parler de... Le flair. Voilà, le flair, exactement. On est en train de parler, c'est vrai, de la crise, de savoir garder son argent. Mais lorsque l'opportunité arrive, il faut savoir identifier la bonne opportunité. Savoir que celle-ci est en train de monter. Je sais qu'une fois au culte, tu nous avais parlé du Bitcoin et tu nous avais dit, vous allez voir dans les années qui vont venir, ça va devenir une valeur sûre. Et au moment où je parle, je pense que le Bitcoin est à 20 000 dollars. Un Bitcoin, c'est 20 000 dollars, c'est monté. Au moment où je parlais, le Bitcoin était à 7 000, 8 000 dollars. Au moment où je parlais de ça. Aujourd'hui, il est à 20 000 dollars. Et il va encore monter. Mais ça montre que, en fait, justement, tu as su identifier la terre. Et ça, c'est important parce que on ne peut devenir investisseur que celui qui sait identifier les terrains et les opportunités qui se présentent à lui. Et tu as souvent l'habitude de nous le dire, il peut avoir plusieurs portes qui s'ouvrent. Quelle est la bonne porte? Quelle est celle que je vais emprunter et qui va me permettre de prospérer, de m'enrichir? À partir de ce moment-là, ce sont les notions que j'ai aussi. Et c'est pour ça qu'on a parlé de connaissances dans une des émissions. Les notions que j'ai, mais aussi la saison dans laquelle on est. Parce qu'on investit aussi en fonction des saisons. Si aujourd'hui, par exemple, Facebook est en train de baisser par rapport à Instagram, il faut que j'arrive à identifier la saison pour savoir où je dois investir. Un investisseur ne se précipite pas simplement, ah ben, c'est ça qui marche, je vais investir dans ça. Non, il y a des
des entreprises ou des terres qui ne perdent pas de leur valeur. C'est ça. Ça, ce sont les valeurs sur l'immobilier, par exemple, en fonction des années, ça ne perd pas de la valeur. Je peux investir l'or dans aussi, ça. Hein, je pense. L'or aussi, c'est une valeur même le pétrole sûre, aussi. Le diamant, ce sont des choses qui ne perdent pas de la valeur, mais il y a des choses qui perdent de la valeur avec le temps. Il faut que j'arrive à identifier cela pour investir correctement. Je vais peut-être faire juste une parenthèse. C'est vrai qu'on parle de la rigueur, le fait de se priver, dire quand même à ceux qui nous écoutent que parfois on peut bien manger avec, à moindre coût, on peut bien s'habiller à moindre coût. Donc tout est question d'organisation, ainsi de suite. Parce qu'on pense, les gens pensent toujours quand les gens sont bien habillés, ben, ils dépensent. Mais on peut bien s'habiller à moindre coût, on peut bien manger, on peut faire certaines choses. On peut même commencer à vivre un certain bonheur à moindre coût, tout en étant rigoureux dans ce que Dieu nous donne. C'est important, ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a, après, ils font les extrêmes. Parce bon, que, on m'a parce... dit, il faut non, que mais je parce qu'ils interprètent mal notre message. Ils interprètent mal notre message. Voyez-vous, les gens tombent sur une de nos prédications. Voyez, ils vont la pratiquer sans avoir écouté les choses que nous avons dites avant. C'est ça. Sans avoir écouté les compléments, les compléments, parce que c'est le corps de tout un message. Tout à fait. Tu peux pas venir là. Par exemple, quelqu'un, il vient, il trouve l'émission Pendule à l'heure, il zappe, il regarde, il va systématiquement dire non, ils sont en train de parler d'argent. Ils vont dire voilà un autre ministère, au lieu de nous parler de la Bible. Pourtant, quand on a vu la parabole que le pasteur Gentil a citée, c'est une parabole de Jésus, mais qui parle de business. Encore. Est-ce que vous voyez ça? Il va nous juger tout de suite. Et c'est comme ça parfois que le nouveau converti écoute nos messages. Il ne comprend pas que c'est progressivement, c'est se serrer la ceinture. Oui, Dieu veut que tu puisses vivre du meilleur. Dieu veut que tu manges les meilleures productions du pays. Je suis totalement d'accord avec ça, mais il y a des étapes, il y a des sacrifices, il y a un prix à payer, il y a une sagesse à développer. C'est important. En fait, une fois, à une émission, je disais que la loi des apparences doit être associée en fonction du temps, des saisons et de la foi. En fait, je ne peux pas simplement investir sur la loi des apparences alors qu'il n'y a pas de sécurité derrière, il n'y a pas de fondement. Solide. La Bible dit quand même qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il faut savoir discerner ce temps. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus. Et j'aime souvent donner mon témoignage des erreurs, même des bénédictions, des grâces aussi que j'expérimente pour que les gens arrivent à s'identifier à moi. Mais donc, il y a eu des moments où j'ai fait quand même des grandes folies. Parce que, en fait, dans ma tête, je me disais, j'ai besoin de ça tout de suite. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand tu achètes la chose, tu te rends compte que tu n'en as pas vraiment besoin tout de suite. Ça, c'est décevant. Moi, j'ai eu ça plusieurs fois. Tu as la chose, au final, tu te dis, bon, oh là là. C'est plus intéressant que ça. Je ne connais pas ça. C'est vrai que là, les différents je peux vous assurer que je ne connais pas ce sentiment. Vraiment, ce que vous dites là, j'espère qu'il y en a qui s'identifient aussi un peu à moi aujourd'hui, parce que je ne connais pas ce sentiment. En fait, acheter donc quelque chose vraiment dont vous avez vraiment besoin. Quand j'ai besoin, j'achète et j'utilise. Amen. Chez moi, on trouve rarement des choses que j'ai achetées et que je n'utilise pas. Si je ne l'utilise pas, je l'offre à quelqu'un ou je le revends, parce que finalement, il y a beaucoup de choses que les gens gardent chez eux. Là, il faut juste revendre. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont de la valeur, en fait. Je me souviens, tu as prophétisé quelque chose, c'était il y a quelques semaines, par rapport à un jeu vidéo qui allait reprendre de la valeur. Mais c'est extraordinaire. Déjà, c'est prophétique, c'est précis, c'est extraordinaire. Mais ensuite, pour la personne, vous vous rendez compte, si elle avait déjà jeté cette chose-là ou bien donné à je ne sais pas trop qui, ben, elle serait passée à côté. Non, parce qu'en fait, un dimanche, j'ai prophétisé, j'ai dit qu'il y a des jeunes, il faut qu'ils repartent dans leur cave, voir en fait des anciennes consoles et les anciennes cassettes de consoles qu'ils avaient, parce que ça a pris de la valeur, en fait. Amen. Et il y a un jeune qui a envoyé un message qui a dit effectivement qu'elle allait voir une console qu'elle avait achetée à 180 euros sur Internet. C'est une vieille console. La console se vendait à 500 euros, en fait. Ça avait pris de la valeur. Et là, on est en train de vous montrer concrètement comment fructifier. Parce que, regardez, si vous épargnez, vous avez serré la ceinture, vous avez vous épargné, vous allez avoir du cash. Et celui qui a besoin d'argent peut vendre une voiture qui coûte 9 000 euros à 4 000 euros. Vous suivez ça? Parce qu'il a besoin, vous comprenez, de ces 4 000 euros. Mais il a une chose qui coûte 9 000 euros. Mais l'urgence d'avoir les 4 000 euros le presse. Vous avez cet argent-là parce que vous avez dans votre compte épargne 20 000 euros. Vous prenez 4 000 euros, vous achetez. Vous n'avez pas besoin de cette voiture-là. Mais vous avez le temps pour attendre qu'un acheteur vienne prendre ça.
8 000 euros. Oui. C'est vrai. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 8 000 euros et 4 000 euros de bénéfices. C'est comme ça qu'on fructifie en fait l'épargne que Dieu vous donne. Mais si vous n'avez pas ce cash flow-là, vous allez même passer à côté des opportunités. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Les opportunités. Le pasteur Gentil tout à l'heure a parlé de la crise. Mon Dieu. Lorsque j'ai entendu des entrepreneurs dire « Mais moi, pendant la crise, je suis devenue de plus en plus riche. » Quelle plaque ! Alors qu'il y en a qui se plaignent de la crise et qui disent que bah, y a la crise, il y a le coronavirus, donc voilà, il n'y a plus de travail, et donc on a la maison et puis il n'y a plus d'argent. Mais en fait, pendant qu'il y en a qui disent ça, quelque chose qui est vrai pour certains, qui est une réalité, et puis il y en a d'autres, ils ont une autre réalité. Exactement. Parce qu'ils n'arrêtent pas de voir de l'argent. Et beaucoup de personnes ont vu en la crise une opportunité d'affaires. Il y a des choses très bêtes, très simples. Il y en a qui ont fabriqué des masques. Parce que c'est le temps pour ça. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui ont fabriqué des masques en tissu, qui ont vendu leurs masques. D'autres sont allés plus loin. Ils ont fabriqué des masques transparents. Parce que j'ai même eu des masques en or. Ils sont allés plus loin. C'est-à-dire que le masque en tissu, ils se sont pensé aux dames qui se maquillent. Non, c'est pas pratique. On va mettre quelque chose, une vitre. Comme ça, elles vont pouvoir se présenter au public. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être capable de voir dans toutes les situations une opportunité. Exactement. Que la situation soit belle, qu'elle soit désagréable, il y a certainement une opportunité et certainement quelque chose que je peux faire. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça dépend aussi des saisons. L'investissement aussi peut être lié à une saison. Ça veut dire qu'en fonction des saisons, la saison dans laquelle on est, là, tu peux faire un masque. Mais il n'y a pas de virus, tu peux faire un masque. Ça n'a pas d'intérêt. Tu vois. C'est pour ça que l'investissement peut être lié effectivement aussi à une saison. Parce que dans la saison dans laquelle je suis, j'arrive à identifier là où mettre mon argent. J'avais remarqué quelque chose de très particulier avec les sportifs, même les artistes, des rappeurs et tout, ils vont investir dans des clubs de foot ou des clubs de basket. Et je me disais, mais eux, ils font quelque chose qui n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'ils avaient identifié que là, il y avait beaucoup d'argent à se faire. Par exemple, en NBA, quelque chose qui a un rapport avec le basket, il y a énormément d'argent à se faire. Si tu réussis à avoir des parts dans, dans une équipe de basket, ça va te rapporter beaucoup d'argent. Et ça, il faut avoir l'œil, il faut s'y connaître. La curiosité, un certain type de curiosité, il faut quand même équilibré, va permettre de connaître certains domaines. Est-ce que tu peux même découvrir des terrains dans lesquels des terres dans lesquelles investir? Tu ne savais pas que, par exemple, les restaurants, c'était quelque chose qui marchait, mais en questionnant un peu, tu finis par te rendre compte que ça marche. C'est pour ça que c'est important, des fois, de regarder un peu tout pour savoir là où on peut investir. Ça rejoint un peu ce que je disais un peu par rapport à la connaissance scientifique. On me parlait des basketteurs. Il y a un basketteur qui allait injecter un peu, il est rentré dans le capital de Liverpool, par exemple en Angleterre. Mais c'est parce qu'il faut lire, en fait, il faut s'imprégner. Je pense l'inspiration, l'illumination vient également parce qu'on expose notre esprit à, comme il le disait, il faut être curieux, il faut la bonne curiosité, bien sûr. Il faut provoquer l'inspiration, il faut provoquer l'illumination. C'est ça, en lisant un peu dans le... Il y a des bons journaux comme ça dans le domaine de l'économie et tout ça. Il faut lire parfois, une fois par exemple le mois, acheter, ça ne coûte pas trop cher. On lit un peu, c'est la science, mais ça aide. La faveur qu'il y a dans notre vie, ça peut provoquer quelque chose. C'est comme ça que Nélo s'est investi. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. La Bible va dire qu'il y a un problème, il y a une crise qui est là. Pour résoudre la crise, Daniel fait quoi? Il va chercher dans les livres, la connaissance. Et des fois, notre situation financière est juste liée à notre niveau de connaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir plus que ce qu'on connaît. C'est-à-dire que des fois, même, il y a des gens qui ont l'argent. On ne sera jamais plus riche que notre cerveau. Exactement. C'est pas possible. Il a parlé de la monnaie numérique, les crypto-monnaies. Si tu ne sais pas que ça existe, comment tu vas? Tu ne peux pas investir. Il y a des sites comme ça qui existent. Tu ne pourras jamais investir. Donc, il faut s'ouvrir un peu à la parole. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut se cultiver, ajouter à la foi, à la science. C'est ça, il faut lire un peu. Voilà. Il faut poser des questions. Aujourd'hui, il y a YouTube qui peut expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des auteurs de référence. C'est important, vous les écoutez, en fait. Parfois, il ne faut pas être pressé. Parfois, vous épargnez. Et en même temps, pendant
vous êtes en train de vous épargner, vous vous formez. Vous vous formez. Plus vous vous formez, plus vous allez découvrir des opportunités d'investissement là où vous allez pouvoir placer votre argent pour que votre argent devienne rentable. Mais même des opportunités d'entreprise, il y a des métiers, apôtres, qui n'existaient pas il y a quelques temps de cela. Le métier de community manager. Ça n'existait pas avant. C'était un métier qui n'existait pas avant. Influenceur est devenu un métier. Ça n'existait pas. Enfin, les influenceurs, ceux qui se mettent sur YouTube et puis commencent à dire un certain nombre de choses, ça n'existait pas. Et ce serait vraiment intéressant qu'il y ait de plus en plus d'influenceurs chrétiens, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des influenceurs, bon, voilà, ils influencent, quoi. Et ils disent, ils choisissent leur sujet. Mais je veux dire qu'en tant que chrétien, justement, on peut même se servir de l'évangile pour... Ouais, pour influencer. Pour influencer. Pour influencer. Et aussi et YouTube, et YouTube va te donner de l'argent pour ça. Mais totalement. YouTube va te payer parce que tu prêches l'évangile. Non, mais c'est vrai. Ils ne se rendent pas compte, en fait. Même s'ils sont en train de faire sinon, pourquoi sinon, d'après vous, pourquoi beaucoup ouvrent des chaînes YouTube? Vous n'avez pas remarqué que les gens ouvrent les chaînes YouTube? Vous pensez que c'est parce qu'en fait, certains sont là, ils veulent, en fait, vraiment, ils sont tellement généreux dans la connaissance. C'est vrai, il y a certains qui sont généreux dans la connaissance. Mais aujourd'hui, il y a un système où que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, ils vous récompensent parce que vous avez plus d'abonnés, vous avez beaucoup de machins. Parce que ce qui fonctionne aujourd'hui en 2020, c'est aussi l'information. L'information a maintenant beaucoup de valeur, beaucoup de prix. On est dans l'ère de l'information. On est dans l'ère de l'information. Et les gens, ben, ils ne veulent plus aller forcément faire 10 ans d'études, de je ne sais pas trop quoi, pour apprendre à faire finalement une petite chose. Et aujourd'hui, ben, toutes les personnes qui ont de l'expertise et de l'expérience se mettent comme ça sur les réseaux sociaux et partagent leur expertise et leur expérience tout simplement. Certains, ce sont des courtes formations. Même faire des courtes formations, en fait, c'est de l'emploi, c'est du travail, c'est de l'argent que l'on peut gagner parce que des personnes vont commencer à te payer pour que tu leur apprennes à faire quelque chose que toi, tu as appris en 4 ans d'études, par exemple. Donc franchement, il y a de l'argent partout. Regarde, maman, tu me regardes maintenant là et puis bon, tu dis, ah, mais moi, avec mon manioc, comment je peux faire, en fait? Tu peux apprendre sur YouTube comment faire du bon manioc. Tu appelles, en fait, ton petit-fils qui connaît un peu des trucs, machin. Tu lui dis, viens, papa, ouvre-moi une chaîne YouTube. Et puis, tu me filmes, je vais expliquer étape par étape. Étape numéro 1, bon, le tubercule. OK? Après, étape numéro 2, tremper le tubercule. Étape numéro 3, écraser. Étape numéro... Il y a quelqu'un quelque part dans le monde. Il y a un Chinois quelque part. Qui va se dire, my God, le bobolo qui se vend en France. Cette mamie m'apprend à faire le bon bobolo. Mais il y a des choses très, très étranges sur YouTube. Une fois, j'ai tapé comment et il te propose comment se suicider. Oh, c'est Dieu. Il y a sur YouTube, my God. Tu as fait juste comment se suicider. Ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'une des demandes les plus... Oui, c'est vrai, c'est l'une des requêtes. Il y a beaucoup de gens. Pasteur Isaac est choqué, il a dit quoi? Non, mais ça montre quand même que l'autre côté, là, les gens... Non, je te dis, hein, les gens veulent apprendre des choses. Les ténèbres voilà. donc les idées, il y en a beaucoup, mais je vous assure, si vous épargnez, parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Plus vous avez de l'argent, plus vous allez voir, même les opportunités vont venir vers vous. Les gens vont venir vers vous. J'ai un ami qui m'a raconté comment il a eu son premier restaurant. Il avait de l'argent, c'était un prédicateur, il avait un peu d'argent. Et une maman qui avait un restaurant est venue demander la prière. Pasteur, prie pour moi parce que je veux vendre mon restaurant. Oh. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu dit à l'homme de Dieu, non, demande-lui d'abord combien elle veut vendre le restaurant. Et pourquoi elle veut vendre le restaurant. C'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, mais en fait, pourquoi tu veux vendre le restaurant? Est-ce que ça ne te rapporte plus? Elle dit, non, ça rapporte, ça marche bien, papa. Ça marche même trop. Moi, ça me fatigue juste. Oh. J'ai envie de vendre ça et puis passer à autre chose. Je n'ai plus le temps. C'est comme ça que le pasteur a racheté le restaurant. Et c'est comme ça que le pasteur est devenu riche avec les restaurants. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que l'argent attire l'argent. L'argent, c'est ça. Le vide attire le vide. 0 fois 1 égale 0, 0 fois 1000 égale 0. En fait, donc, il faut de l'argent
pour aller en contact avec une idée ou quelque chose qui existe. Quand on dit que l'argent attire de l'argent, derrière ce restaurant, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc, c'est le fait d'avoir déjà cette chose-là, où les anges même sont au courant qu'il y a cette chose-là. Et je suis sûre que l'opportunité vient tout simplement parce que les anges savent que tu as la possibilité, en fait, de faire quelque chose. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit à celui qui est, on va ça, encore c'est ce donner. Que je voulais dire. Ah, celui qui a l'argent, il va encore attirer l'argent. Mais, à chaque émission, il veut souvent dire des trucs. Vous êtes connectés, vous communiquez par télépathie ou quoi? C'est ce que je voulais dire. Comme il n'est pas là aujourd'hui. Même il n'est pas là, mais ça arrive au Seigneur. Une fois, tu es en train de jouer l'idée. Mais je pense que c'est le même esprit. C'est le même esprit, on va dire. Alléluia. Donc, je pense que c'est valable pour l'argent. C'est valable aussi pour les idées. Je pense que quelqu'un qui commence à lire, il va attirer les idées. Mais quelqu'un qui ne s'imprègne pas, qui ne fouille pas, il aura du mal à attirer des bonnes idées. Quoi. C'est pour ça qu'il faut commencer à lire un peu, à chercher, à exposer son âme, son esprit, frotter son cerveau, comme on dit, à d'autres grands cerveaux. Mmh. C'est comme ça qu'on va avoir des idées. Et puis, je crois qu'il faut aussi fréquenter ceux qui ont de l'argent. Et ceux qui font des choses, il faut les fréquenter, parce qu'en les fréquentant, honnêtement, ça t'influence. À un moment donné, tu ne peux pas marcher avec des lions et puis tu continues à être... Avec les pigeons, tu continues, tu vois là, quoi. C'est-à-dire que... Tu veux être un aigle, tu marches avec les pigeons. Et tu vas te faire bouffer. Tu veux être un chat, mais tu veux être un lion, mais tu marches avec les chats. Mais c'est ça, parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, par déduction... Les bonnes compagnies, normalement, changent aussi, en fait, c'est ta ça. mentalité, et t'emmènent, en fait, à cette dimension de ta vie à laquelle tu aspires. C'est pour ça, il faut... Vaut mieux pas marcher avec des gens broke. Hein. Bon, désolé. Mais c'est clair, c'est quand j'ai commencé sérieusement à fréquenter des gens qui avaient l'argent, que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que j'étais ignorant. J'étais ignorant. Et quand j'ai commencé à sortir de la pauvreté, je me rappelle qu'un de mes amis m'a dit, il dit, le diable a enfin enlevé ses mains sur toi. Ah, waouh! C'était lourd comme parole. Elle était lourde, la parole. Wow. Mais il me dit, mais en fait, tant que tu es pauvre dans un domaine, ça tend à la main sur toi, C'est les ténèbres. J'ai commencé à fréquenter plein d'hommes de Dieu et d'autres qui avaient de l'argent. Et ça m'a ouvert les yeux. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu que j'ai rencontré au Gabon. Vraiment, Dieu l'avait béni. C'est lui qui m'a clairement dit, il m'a dit, frère, j'ai du mal à croire à l'onction sans argent. Il dit non, j'ai du mal à croire que quelqu'un qui a l'onction ne puisse pas avoir. Ah ben oui, il me dit non, quand tu as l'onction, forcément, tu as de quoi avoir l'argent. Donc, si tu n'arrives pas à orienter ton onction, pour que ton onction puisse amener l'argent, c'est normal après. Mais je ne sais pas si quelqu'un a dit qu'on allait en parler. Attendez, vous avez dit qu'on allait en parler. Il a dit qu'il faut orienter son onction. Non, mais c'est fort. C'est fort. Ça veut dire que l'onction que Dieu a mis dans ta vie n'est pas simplement destinée à ce que tu imposes les mains aux malades, les paroles de... C'est quoi les paroles de connaissance que tu as tout le temps, seulement sur les côtes des gens? Quelqu'un a une côte cassée. Et tu peux pas avoir une parole de connaissance de là où l'argent se trouve, en fait. Vous pensez que Jésus qui a dit à Pierre, va la chaîne dans le poisson, vous pensez que c'est quoi? C'est pas une parole de connaissance, ça. C'est pas une parole de connaissance. Va à tel endroit, tu vas trouver le poisson. Attends, dis donc. Mais même Pierre, quand tu vas dire à Ananias, et ça fera sans cela tout ce que vous avez à offrir au Seigneur. C'est une parole de connaissance. Il savait qu'en rapport avec l'argent, il savait qu'ils avaient gardé une partie de l'argent. Il a pu localiser le fait que... Et il ne pouvait pas faire ça avant. Il était fauché. C'est vrai. Mais maintenant que tout le monde vient déposer ça à ses pieds, le gars a maintenant le flair. Il a maintenant le flair. On vient déposer. Non, je sens dans l'esprit. Je sens l'argent là-bas. Que ton onction localise l'argent. Quelle révélation. C'est pour ça qu'on doit comprendre ce que l'onction... L'onction est comme une arme. C'est lui qui oriente l'onction. Encore une fois, ce passage biblique, c'est un peu mon refrain aujourd'hui. C'est clair. Le proverbe 21, Dieu connecte toujours l'huile
au trésor. C'est-à-dire que quand on a l'onction, mais normalement, on doit générer des richesses. C'est clair. On le voit avec... Mais David avait vraiment... Je pense qu'on était en train de parler de ça, et puis on a dit ça. David avait vraiment cette révélation, l'onction. Parce que si on n'a pas cette révélation, l'onction, on pense l'onction, c'est seulement pour parler en d'autres langues. Mais on va parler en langue toute la vie, on sera fauché, malheureusement. Mais David, le psaume 89, va quand même dire... Dieu va dire, j'ai trouvé mon serviteur, je l'ai moi. Bon, je laisse un peu le reste. On voit quand même comment il va connecter l'onction, l'autorité que l'onction donne avec les richesses qui sont sous la mer. C'est vrai. Mais on comprend pourquoi il était riche, mais à son époque, il y avait des navires qui amenaient de l'or quand même. Il a quand même amassé des trésors pour la construction du temple. Mais on voit comment on était en train de parler de ça, comment Daniel a prospéré. C'est quand il se retire avec ses compagnons, parce que le roi a eu une vision, il se retire. On va dire qu'il a activé l'onction. Et puis il va avoir le rêve et l'interprétation. La Bible nous dit, le roi va le faire prospérer. Et ça se passe au minimum deux fois dans le livre de Daniel. Donc ça veut dire, les gars comprenaient, ben Joseph, la même chose, que l'onction rend riche. Parce que, regardez, je vais leur donner une clé là très importante. C'est important que vous compreniez que nous avons l'onction, vous avez l'onction en fait. L'onction, il faut l'orienter. Amen, pour l'orienter, il faut l'activer. Et ce qui active l'onction, c'est la conscience de la connaissance. Est-ce que vous voyez là, la conscience de la connaissance. Est-ce que vous voyez ça. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire là, en fait. On est en train de vous faire comprendre qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'un appel spécial pour investir et faire les affaires. Quand vous réalisez ça, vous allez commencer à penser à l'argent et la connaissance liée à l'argent. Et ça va activer quelque chose qui est déjà en vous. Ce n'est pas quelque chose qui était ailleurs. Ça va activer l'onction qui est en vous. Parce que quand la Bible dit, vous recevrez une puissance dynamis pour être les témoins. Il n'y a pas que les témoins que les malades ont été guéris. Non. Il y a les témoins aussi que l'argent, vous comprenez, et les affaires peuvent réussir et que Dieu peut nous rendre prospères. Ce que tu dis, apôtre, est vrai. Parce que moi-même, j'ai fait le témoignage dimanche. Et en fait, je posais la question parce que j'avais remarqué depuis un certain temps que quand j'appelais un montant, ce montant-là, je disais exactement le jour auquel je le voulais et il arrivait. Wow. J'avais remarqué qu'il y avait maintenant une limite. Je voulais appeler Je voulais appeler plus et je remarquais qu'il y avait une limite. Et c'est là où tu m'as dit, la première semence, c'est la parole. Et tu m'as dit, continue à confesser, cette somme-là va arriver. J'ai remarqué que l'onction se dirige. Si je dis, je veux 500 euros, si moi-même, bon, faut préciser, si moi-même, je suis déjà un semeur, non seulement dans la parole, mais un semeur financièrement. Les finances vont reconnaître le son de ma voix. Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. Mais il n'y a pas que les brebis, même les finances entendent le son de la Jésus voix. Jésus a pu dire, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et après, il va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, en fait. On a le même mandat, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que l'or et l'argent nous appartiennent. Donc, quand on appelle l'or et l'argent, l'argent doit entendre le son de notre voix. Ça doit entendre le son de notre voix et ça doit venir, en fait. Et c'est l'une des raisons, vas-y. Il y a même un moment, en fait, tu sais, tu as appelé l'argent, tu vois. Tu n'as pas vu l'argent arriver. Mais en fait, tu es tellement convaincu de cette révélation et de cette parole que quand l'argent arrive, tu n'es même pas en train d'appeler. C'est ça. C'est ça. J'aime vraiment cette affaire de conscience, de la connaissance. Je pense que c'est quelque chose, on en a parlé dans d'autres épisodes. Comment les riches, les juifs, je pense que c'est ce qui fait leur force. Moi, je les ai vus par exemple à l'aéroport. C'est toujours, c'est un peuple à part. Ils vont avoir leur structure. Ils vivent vraiment en autarcie. Ils ont leur équipe de sécurité avec leur compagnie. Ils ne se mélangent pas avec d'autres. Les juifs sont quand même... Moi, je pense que c'est à cause de cette conscience dont tu parles. La conscience d'une certaine supériorité. Ils sont conscients de leur filiation. Qu'ils sont le peuple de Dieu. Que c'est un peuple influent. Et puis, ils ont vu leurs ancêtres être comme ça. Ils se disent, on est comme ça. Je pense que c'est ce qui a même poussé même le roi Ozias, c'est vrai qu'il a mal terminé, à fabriquer des machines. Tellement ils ont cette conscience là de supériorité, conscient qu'ils sont riches. C'est comme ça, c'est leur identité, c'est leur confession. Ensuite ça se matérialise. Les juifs, ils sont en tête dans pas mal de domaines. Sur le plan économique, tu vas trouver les riches, les juifs. Sur le plan, on disait même c'est les meilleurs pilotes dans le génie militaire et tout ça, les juifs. Mais je les ai vus à l'aéroport avec leur compagnie. Ils sont autonomes, ils ont
parfois, c'est la seule compagnie qui amène parfois des objets qui sont plus ou moins illicites à l'aéroport, mais on les laisse passer parce que ils ont un statut. C'est incroyable. Gars-là, je pense que la conscience est importante. Je pense que c'est cette conscience-là qui va activer l'onction. On peut avoir la conscience de la force, on peut avoir la conscience de la richesse. Et quand on a la conscience de la richesse, cette conscience va activer l'onction. C'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Oui. Mmh. Joseph arrive d'abord chez Potiphar. Tout ce qu'il fait réussit. Mmh. Au point où la Bible va dire que Potiphar s'est rendu compte que sa maison prospérait grâce à Joseph. Mmh. Il va se passer une autre chose quand Joseph est en prison. Mmh. On vient chercher Joseph pour interpréter le rêve. La Bible va dire que Joseph s'est rasé. Mmh. Personne ne lui a dit que c'était le moment de sortir. Bah. Mais lui-même savait que son onction allait lui-même, il était prêt. Il avait la conscience que c'était le temps pour lui. Il savait comment fonctionnait son onction. Il savait qu'en traduisant le rêve, forcément, j'allais progresser. C'est clair. Il savait qu'en allant là-bas, il n'avait même pas encore traduit le rêve. Il savait qu'en allant là-bas, ça va marcher. Mais là, pour moi, ça m'a aidé. Si je n'avais pas toujours cette confession, même à Épinay ici, je confesse toujours, j'ai toujours confessé que je suis riche. Et si je ne confessais pas ça, j'allais peut-être m'embourber dans un boulot. Ça dit, ah ben tiens, un CDI, et ainsi de suite. J'allais le prendre. Mais comme Moïse, la Bible, c'est par la foi que Moïse a préféré l'opprobre de Christ que d'être dans les jouissances du palais de Pharaon. Je pense qu'il y a cette mentalité-là, cette conscience que je suis riche même quand je ne vois pas encore. Parce que ça va déterminer nos choix, nos décisions. Je pense que moi, ça m'a vraiment aidé de tout confesser. Je suis riche, c'est ça par la vie spirituelle. Ça m'a permis de repousser un CDI. Et la preuve, là, par exemple, là, je suis quand même dans quelque chose de mieux quand tu travailles. Tu es dans le spirituel, tu es entouré, tu as des collègues, des frères. Tu es dans le bon milieu. Amen. Ouais, c'est quelque chose que personnellement j'ai réalisé concernant le mandat que Dieu a donné à notre ministère. Vous nous voyez parler de ça avec beaucoup d'aisance parce que notre ministère a un mandat. Vous savez, on est convaincu en fait, sérieusement, qu'on est appelé à former les milliardaires des derniers temps. Amen, je dis bien amen. Les milliardaires amen. Des derniers temps. Et je crois sérieusement qu'avec l'onction, le chrétien aujourd'hui doit être parmi les top 10, le top 10 des hommes les plus riches de la planète. Amen, amen, parce amen. Que nous avons l'onction. Yes. Quand vous étudiez le top 10 des personnes les plus riches de la planète, regardez en fait qui parmi ces 10 personnes a l'esprit de Dieu. Dieu veut aujourd'hui que les chrétiens soient dans le top 10, amen. Vous comprenez, ou même dans le top 20, il y a des chrétiens à l'intérieur. Amen. Parce que nous avons quelque chose de supérieur. Amen. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. Parce que c'est arrivé déjà à l'époque de Salomon que celui qui portait l'onction, c'est-à-dire Salomon, était le roi le plus riche de la planète à cette époque-là. Donc pourquoi penser qu'aujourd'hui ce n'est pas possible? C'est une question de mentalité. Dieu a restauré le message de la nouvelle naissance, la foi, du salut par les œuvres, avec Martin Luther. Dieu a restauré le message du baptême du Saint-Esprit. Dieu est en train de restaurer le message prophétique et Dieu est en train de restaurer le message de la prospérité, amen, en fait. Amen, amen. Parce que Dieu veut que nous soyons influents. C'est même arrivé à l'époque de Daniel. Daniel que Dieu a rendu prospère et qui était auprès du roi. Parce que la Bible va dire qu'il avait l'esprit supérieur. Voilà. La capacité de cet esprit est de nous mettre au-dessus de ceux qui sont dans ce monde-là. Donc effectivement, comme tu le dis, on ne peut pas avoir l'esprit supérieur et être en dessous de ceux qui sont dans ce système-là. Mais comme le terme, vraiment, c'est celui que tu employais, la conscience de la connaissance. La conscience même de l'identité, je dirais. Ça veut dire que je sais que tout est déjà en moi. Parce qu'il dit, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est-à-dire que si tout est à nous, toutes les richesses sont déjà disponibles. Amen, amen, amen. Il faut juste que je puisse activer l'onction qui va déclencher ces richesses et emmener ces richesses à l'existence. Il faut vraiment avoir une façon, la conscience, une façon, une confession. C'est cette confession qui va déterminer comment l'onction va agir. L'onction est quand même quelque chose de efficace. Éphésiens 1 dit quand même que nous avons reçu l'infinie grandeur de sa puissance qui agit avec efficacité. Dans le domaine des finances, on peut être largement efficace. Et nous sommes dans ce temps-là. La Bible dit quand même dans Agée que la gloire de la seconde maison, on est quand même dans le contexte où Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Selon nous, a explosé, mais positivement dans le domaine financier. Amen. Surtout que la connaissance augmente. Moi, j'ai
même quand Dieu dit, et ça me fait sourire, quand Dieu va dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Yes. Je me dis, mais Seigneur, c'est trop tard, parce que moi, je suis de la lignée d'Abraham. Amen. Donc, c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'on entend dans « Je rendrai ton nom grand » On parle de la renommée, mais la réalité, c'est que la renommée ne peut pas venir sans le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas venir sans argent. C'est ça. Aujourd'hui, même le pouvoir politique, aujourd'hui, est honnêtement, dans tous les pays, manipulé par l'argent. C'est vrai. Et c'est important que le chrétien aujourd'hui devienne prospère pour se rendre compte que c'est comme ça. C'est à cause de cette prospérité qu'on va pouvoir influencer même les partis politiques, en fait. Si on a de l'argent, si le chrétien... Quand je dis de l'argent, c'est pas suffisamment d'argent pour toi et pour ta famille. Non, parce que quand on parle de liberté financière... C'est plus que ça. On ne parle pas simplement de payer son loyer ou d'acheter une maison de trois maisons. C'est au-delà de ça. On parle de la capacité d'influencer le pouvoir en place, en fait. La capacité d'influencer les décisions, d'influencer les choix, d'influencer tout un parlement. C'est la capacité d'imposer des décisions et des idées. Et c'est comme ça que le règne de Dieu vient sur terre. Et les chrétiens qui ne comprennent pas ça là, pendant qu'on est en train de parler, il y a peut-être certains même qui s'énervent et qui ne comprennent pas du tout notre message. Hein. Et je dis que vous avez tort. Vous avez tort. Si vous appréciez ce que nous disons, si vous admirez ce que nous disons, vous avez commencé à prospérer. Mais si vous vous fâchez contre ce que nous disons, vous allez vous enfoncer un peu plus dans la pauvreté. Le message ne va pas les sauver. Non, c'est ça. Le message ne va pas du tout les sauver. Vous savez, les chrétiens, en fait, ils disent non, nous allons vivre ces choses-là. Oui, mais quand la Bible parle de ça, la Bible parle du millénium, la Bible parle de la vie future. Non, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, les deux premiers chapitres, qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Les chrétiens arrivent à comprendre le rôle du sacrificateur, prêchent le chrétien en tant que sacrificateur, c'est-à-dire qu'il sert, mais ils n'arrivent pas à comprendre le chrétien en tant que roi. Roi où, en fait? Roi où? Dieu règne au ciel. Tu penses que tu vas aller au ciel installer ta royauté? Faut que tu règnes quelque part. C'est important de comprendre pour qu'on t'appelle roi dans un territoire. Le roi, soit il n'y a pas de roi, soit le roi qui est là est renversé. Tu ne seras pas roi au ciel. C'est Dieu qui est roi au ciel. Et la Bible, les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre aux hommes. Pourquoi? Pour que nous puissions régner. Et c'est la question qu'on peut poser, c'est qui règne sur ton trône actuellement? Qui règne. Et là, pour l'instant, c'est la pauvreté qui est en train de régner. Et c'est le manque qui est en train de régner. C'est la disette. C'est incroyable de se rendre compte que c'est vraiment la parole de Dieu pour nous, en fait. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fuit la parole de Dieu et on se cache derrière certains complexes en disant non, ce n'est pas pour nous. Et on résiste contre le message de la prospérité alors que ce n'est pas un message qui fait du mal aux gens. Au contraire, c'est un message qui fait du bien, c'est un message qui bénit. Et c'est un message qui infuse même une autre vision du monde et des choses aux chrétiens, en fait. Il faut comprendre que les chrétiens sont une élite, l'élite de Dieu sur terre. On est quand même la lumière du monde. Exactement. Comment on va éclairer mais ça? La lumière du monde. Et la Bible dit qu'on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre, pour cacher la lampe sous la table, en fait. Et beaucoup de chrétiens se cachent. Et c'est pour ça que quand la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, je suis convaincue que cette révélation ne se fera pas simplement par le fait de dire Jésus t'aime. Pas simplement par le fait d'évangéliser. La question, c'est est-ce que ton vêtement est capable d'évangéliser quelqu'un? Est-ce que ta voiture est capable d'évangéliser quelqu'un? Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours de cela, on a critiqué un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il s'est acheté une nouvelle voiture. Des jeunes se sont approchés de lui et lui ont dit, je veux être comme toi, pasteur. Amen. Et cet homme de Dieu a dit, vous voyez, je peux prêcher l'évangile grâce à ma voiture. Amen. Non. Gloire à Dieu. On va plus se gêner pour les voitures. c'est clair. De toutes les façons, on a encore plusieurs émissions pendules à l'heure où nous allons continuer à approfondir cela. La royauté, c'est un sujet important pour les chrétiens à savoir. C'est important. C'est pour ça que nous allons consacrer cela. Le temps est vraiment, il est largement dépassé. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Si cette émission vous a béni, n'hésitez surtout pas à vous abonner maintenant. Faites-le maintenant. Allez. Et n'oubliez pas le petit pouce si vous regardez cette émission sur YouTube. Maintenant, si vous regardez cette émission par d'autres canaux, nous vous demandons deux choses.
nous soutenir à travers le numéro qui s'affiche maintenant, nous soutenir financièrement et parler de cette émission autour de vous, parler de cette chaîne aussi autour de vous. J'avais avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Gentil, le pasteur Grâce, ma foi. Gloire à Dieu, bien sûr que le pasteur Isaac, c'est le pasteur Isaac Tumtum, ok. C'est pas ça, pasteur Isaac Tumtum, pasteur Grâce et Gentil, ma foi. L'émission s'appelle Pendule à l'heure, je vous dis à bientôt.